Avec plus de 50 exposants, le quai Saint-Pierre fera peau neuve tous les vendredis soirs de l'été. Une manière festive qui valorise le port de Cannes. Nous avons rendu piéton le quai avec des stands élégants, hein, tout une tonalité blanc, crème, quelque chose d'homogène. Des extensions de terrasse pour qu'il y ait une vie partagée, commerçante. C'est la Dolce Vita. Bijoux, chapeaux et accessoires, mais aussi des produits du terroir qui sont à l'honneur. Une manière de découvrir l'industrie locale avec le sourire. Pour l'apéro, c'est parfait. Agréable de découvrir le marché du terroir, de découvrir un petit peu tout ce qui se fait dans la région. C'est joli, l'environnement est beau, il y a des bancs, des palmiers. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu. Ça fait vacances parce que c'est en bord de mer et puis ça permet de trouver un peu divers objets. Côté ouest, c'est la sixième année que les nocturnes bocassiennes s'activent. Avec plus de 80 stands chaque mercredi soir durant 2 mois, la place du marché ouvre ses portes pour la plus grande joie de ses visiteurs. On est quand même assez content du fait que la SNCF nous annonce que les trains sont pleins pour venir le mercredi à la Boca. 30 000 visiteurs sur la Boca, c'est un vrai plus. Ça amène du chaland également pour nos confrères restaurateurs. Plus de 18 artistes de l'association Bocard seront aussi présents sur ces deux manifestations. Une animation conviviale et estivale qui sera ouverte de 19h à 23h, chaque mercredi et chaque vendredi, jusqu'à la fin du mois d'août.